loin de tout, un putain de son de fou, Ed Five Crew. Dis leur mojette, prends ça dans ta tête. Pop, 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 c'est du hip-hop, ça vient de Vendée, ma petite salope. Un putain de son qui pète comme un vieux bordeaux de mojette, je crois que tu l'as dit les mecs. Ça vient de Vendée. Putain de son de gangster qui... Salut tout le monde. Sans mentir, ça fait la troisième intro que j'essaye de faire à peu près sympathique. J'arrive pas, donc je vais aller au plus simple. Pas le temps, pas le courage, donc pas avancer. Voilà. Là, j'ai juste acheté de quoi refaire le ciel de toit là, avec de la colle. Parce qu'hier, j'ai acheté de la colle en spray à la bombe. C'est de la merde. Clairement de la merde. Donc j'ai réussi à redécoller ce qui était, le peu qui était collé. Et à sauver le velours. Le rendu est vraiment sympa. Donc c'est pas abîmé du tout. Donc je vais pouvoir essayer de recoller ça vite, enfin vite fait. J'ai un peu de temps là, donc je vais essayer de le faire. La culasse elle est toujours pas prête parce qu'il manque des pièces. Donc tout toujours là, n'a pas bougé. J'ai déposé le spoiler, mais il y a du délai. Je sais pas ce qui se passe sur le site. J'arrivais plus à avoir accès au site hier. Parce qu'il manque vraiment une toute petite pièce de rien du tout. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Rien. Si j'ai fait ma terrasse d'ocrase. Je vais vous montrer là dans la suite là. Petite terrasse bois là. Pour finir ma terrasse en béton. Je vais vous montrer ça en accéléré. Hein. Ça vous intéresse un peu. Et là ce matin là, je vais essayer de me recoller ce ciel. Allez, je vous montre ça. Hop. Donc là, j'ai pris de la colle Aston. La néoprène. Avec la petite spatule pour bien étaler partout. Midi textile, multi-usage. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Allez, on commence. Tac, voilà, j'ai fini. Donc je l'ai mis à l'abri. Parce qu'ils disent 24 heures de séchage. Donc je vais le laisser là pour pas trop le manipuler. Du coup, c'est carrément plus pratique, effectivement, avec de la colle en gel, comme ils appellent ça, de la colle, quoi. Et bon, il y a 2-3 plis, là, on verra ce que ça donne quand ce sera vraiment sec. Donc voilà. Après, bon, c'est peut-être pas la meilleure méthode que j'ai adoptée, mais bon, je pensais pas trop mal. J'ai utilisé la moitié du pot. Oh, tombe pas toi. Donc ce que j'ai fait, j'ai essayé de te refaire un montage. Avant de monter celle-ci, j'ai décollé le vieux tissu. J'ai nettoyé le support avec un peu d'eau, un coup d'aspirateur pour pas laisser trop de saleté dessus. Après, au départ, j'avais essayé donc avec la bombe de merde là en spray. Bon, l'avantage c'est que je pouvais le placer, le recoller, l'enlever, mais au final ça n'a pas tenu, c'était une plaie. Donc j'ai fini par acheter cette colle. Putain, comment elle s'appelle? Yeah, ça commence comme ça, de la néoprène. Donc ouais, j'ai utilisé la moitié, il me reste ça. Avec la spatule là.
pour bien étaler. T'as vu ça à la vidéo. Au départ, je voulais tout en mettre partout. Et puis coller. Parce qu'il faut vraiment bien l'attendre. Mais au final, c'est pas le mieux. Je me suis vite aperçu qu'elle sèche très vite. Tu vois là, elle est sec, elle est sèche. Du coup, bah, comme tu as vu sur la vidéo rapide, là, j'ai fait par endroit, j'ai bien tiré, et puis bah, ouais, j'espère que ça va le faire. Et puis j'ai mis ça pour les coins. Et après, je découperai. Hop, les bouts qui dépassent. Donc voilà. On verra, on verra. Après, il me manque deux petits clips pour le remettre. Puis je vous montrerai le remontage peut-être sur une autre vidéo. Autrement, ben non. Si j'ai reçu les futures jantes, je crois que j'ai déjà dit ça. Je vous les montrerai au moment venu. Surprise. Parce que j'ai pas envie de garder les jantes blanches. Je vais les garder, mais je vais pas les laisser sur la voiture. Donc voilà pour ce qu'il a dit. Ciel de toit. Donc comme je dis, hein, c'est peut-être pas la meilleure méthode. Il y en a sûrement qui ont plus l'habitude que moi. Mais ça a l'air de fonctionner. Donc si tu veux le faire, colle néoprène. Bon moi chez moi il y a du Weldum, je sais pas d'où tu me regardes, mais. Donc acheté chez Weldum, 15 balles. Ça je l'avais déjà, c'est pour faire du placo. J'avais dû acheter ça 50 centimes à Brico Dépôt. Ensuite, bien laver ton ciel. Bien préparer ton nouveau tissu. Donc moi j'ai mis du velours, hein. Tu peux mettre un tissu traditionnel. Et comme sur la vidéo, tu fais moitié côté par côté, quoi. Un coin là, au fond, je trouve que c'était plus pratique. Puis après tu tends bien et tu colles. Et bon bah a priori ça se passe pas trop mal. Alors moi le problème c'est que ma base était pas trop saine quoi. Elle a pris l'eau dû aux fuites de charnière je pense. Donc on verra bien ce que ça donne. Après bah, je vais découper ça et quand ce sera bien sec partout là je vais le recoller dessous là je pense. Tu vas faire des plis propres. Tac, quand ce sera bien sec ici. Et puis on mettra ça dans la voiture. Mais il faut choper dans deux clips normalement. Je sais pas sur les MK2, mais. Ouais, voilà, il y a deux clips là de mémoire. Enfin, je perce pour le tenir. Deux clips que j'ai pas. Donc ça va être là encore compliqué à trouver. Donc voilà. Bon, bah il est midi. Moi je vais manger. Et puis, je vois si je vous diffuse ça tout de suite ou pas. Et puis, je vous montre aussi ma terrasse dans la suite de la vidéo. Allez, tchuss!